Cette capsule est une présentation de Mise au jeu plus. Gâches-tu? Mesdames, messieurs, ici Rod Carignan et voici ce que j'ai retenu pour vous cette semaine dans les offres de Paris Mise au jeu. Pour la première fois en 5 ans, les Alouettes disputeront un match éliminatoire. Montréal recevra les Eskimos d'Edmonton dans la demi-finale de l'Est dimanche. Ne manquez rien de ce match en syntonisant RDS. Montréal et Edmonton se sont affrontés 2 fois cette saison. Chaque équipe a remporté son match à domicile. Bonne nouvelle pour les Alouettes, les Eskimos connaissent des ennuis sur les terrains adverses cette saison. Ils n'ont remporté que 3 de leurs 9 duels à l'étranger en 2019. Montréal est légèrement favori pour l'emporter dimanche, avec raison. Je pense que les Alouettes trouveront une façon de l'emporter et ainsi affronter les Tiger Cats en finale de l'Est la semaine prochaine. Jetez un coup d'œil sur les offres de Paris avec écart de points. Je vous suggère une victoire des Alouettes par au moins 2 points, ce qui vous rapporterait près de 2 fois votre mise. Et au niveau du total des points inscrits dans ce match, je penche pour un résultat sous la coupure des 51 points. Sur le plan individuel, qui de Trevor Harris ou Vernon Adams récoltera le plus de verges par la passe si on se fie aux résultats de la saison? Tournez-vous vers le quart des Eskimos. Et au niveau des porteurs de ballon, je préfère William Stanback à C.J. Gable pour un total de verges au sol. Dans l'Ouest maintenant, les Stampeders recevront les Blue Bombers. Les deux équipes s'affronteront pour la 4e fois cette saison. L'équipe à domicile en est toujours sortie gagnante. On peut s'attendre à un match à haut pointage alors que les 3 duels cette saison ont totalisé 177 points. Allez-y donc au-dessus de la coupure établie à 50. Pour ce qui est du gagnant, je pense que Calgary va l'emporter à la maison, mais je ne suis pas convaincu de l'écart de 6 points établi par mise au jeu. Et attention aux Bombers qui ont profité d'un congé la semaine dernière et qui arriveront donc fin prêt pour ce match. En terminant, voici les cotes pour le 107e match de la Coupe Grey. Montréal n'a pas un parcours facile jusqu'au championnat, mais si vous y croyez, un pari sur les Alouettes vous rapporterait plus de 8 fois votre mise. Alors, pour encore plus de football, je vous invite à regarder la chronique NFL du collègue Stéphane Morneau à Faites vos jeux, vendredi 19h sur les ondes de RDS. Jouez toujours de façon responsable. Bonne semaine!